Allez, il mange sa pénale, Carlos. Mais bon, 3 places, c'est pas énorme. Hein. Au final, il s'en tire bien, je trouve. En plus, il a même pas de points sur son permis, au final. Donc, il partira toujours derrière son équipier, Leclerc. Sainz avait déjà reçu un avertissement lors de la troisième journée d'essai. Le pilote s'est ensuite mis en travers de la route d'Albon. Les commissaires l'ont convoqué, mais ont décidé de ne pas lui donner de pénalité. Pendant les qualifs, il s'est à nouveau mis en travers de la route d'un pilote, ça lui a coûté cher. Le pilote Ferrari s'est presque arrêté. Avant la dernière chicane, avant le départ, une des départs arrivée, il a roulé au milieu de la piste. Pierre Gasly, qui arrive à vive allure sur un tour rapide, a dû faire une forte embardée pour éviter la collision. Il a été pénalisé pour son action et a reculé de 3 places, passant de P8 à P11. Sainz, qui a donc battu son équipier, partira tout de même derrière lui. Ce n'est que justice, j'ai envie de dire. Franchement, je lui aurais mis. Je lui ai mis 6 places pour l'ensemble de son œuvre et je lui ai remis 2 points de pénalité sur le permis. Bon, bah là, écoutez, Ferrari, en tout cas, ça part 10 et 11. Ça sent mauvais pour la course, hein, quand même. Allez, ciao.